Salut les bricolos. Alors, on est en train de s'entraîner à faire de la soudure pour nos gouttières. Allez, on vous montre ça. C'est génial. C'est ça la construction. Il faut se faire plaisir. Voilà. Donc ça, c'est de la pierre d'ammoniac pour nettoyer le fer à souder. Là, on a le décapant pour nettoyer le zinc. Voilà. Ça, c'est un premier essai de ma part. C'est pas trop mal. Et là, elle s'essaye à la soudure pour la toute première fois. T'as peur un peu? J'ai la pression grave. Tu chauffes ta pièce et tu ramènes de l'étain. Voilà, parfait. Et là, tu tiens ta pièce avec l'autre. Oh, comment c'est beau! Allez, c'est beau? Essaye une deuxième. Maintenant, j'essaie de faire le créneau là. Le gradin. Le gradin. Faire comme il fait dans la vidéo. Allez, vous nous dites comment est la soudure de Zoom en commentaire. Ouais. Franchement, c'est propre, hein. Là, c'est passé. Ouais. Ça n'a pas assez migré, là. Oui, t'as pas assez chauffé. Par contre, là, c'est propre, hein. On monte la différence? Donc là, clairement, moi, les gradins, on les voit moins bien. Moi, je trouve. Hein, Zou? Ouais, c'est vrai. Honnêtement, je trouve que mes gradins, ils sont meilleurs. Ils sont mieux, ouais. Par contre, derrière, toi, t'es plus soudé et moi, non. Moi, il y a un bon débordement, mais là, la pièce, bon, déjà, elle est plus petite, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais là, il n'y a pas assez de chauffe. Ouais, exact. Ça a pas assez migré. Là, par contre, on est sûr que c'est bien soudé. Nice, hein. Bon, bah voilà, pour une première, on a regardé quelques tutos sur Internet, sur YouTube, bien sûr. C'est pas trop mal. Bon, bah c'est parti. On va essayer de souder un talon de gouttière. Donc, déjà, on l'a acheté tout fait le talon, donc ça nous évite de le couper et de faire la pièce. Mais ça reste quand même assez compliqué à souder, malgré tout. Donc la Zouzou, elle est en train de décaper la pièce. Il va falloir souder ça là-dedans. Donc on s'est entraîné tout à l'heure, comme vous avez pu voir. Et là, bah, on va essayer... C'est le premier vrai, là. Vraie soudure, première vraie soudure. Sur la gouttière, on va voir si on y arrive. C'est bon, c'est décapé. Bon, bah quand faut y aller, hein. Voilà le résultat. Bon bah ça se fait bien. C'est pas mal, hein. Ouais. On s'attendait à pire en fait. Ouais. Première soudure. On est très contents. On va pouvoir continuer. Bon, après s'être entraîné à souder le fond de gouttière, le talon. Là, c'est parti. Il va falloir souder la naissance. Donc d'abord, on commence à découper la gouttière. Thank you.
Voilà. On va redresser le bord avec une petite pince plate. Et ça va le faire. Bah voilà, première naissance de soudé, et dernière d'ailleurs, parce qu'il n'y en a qu'une de ce côté. Mais je suis un peu fier de mon travail hein, quand même. C'est pas trop mal pour un amateur. Bon, et puis au pire, si ça casse, eh ben, on recommence, hein. C'est pas très grave hein, si ça fuit. Hein. Je sais pas s'il faut que je mette un cordon ici ou pas. Peut-être pour c'est comme ça. Non, c'est propre, non? Les gouttières sont terminées. Je vais vous montrer ça, on va faire un petit test avec de l'eau et un arrosoir. On va installer la descente. Faut enlever les étiquettes. Qu'est-ce que tu fais ce zoo? Princesse Crapaudine. Je vais installer mon royaume. L'idée c'est de le mettre là.
pas trop comment ça se met en fait. Ça y est, notre gouttière côté allée est terminée, la gouttière suspendue. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'attaquer au chéneau avec le pliage du zinc. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. On vous laisse là pour aujourd'hui. Ciao !